La robe dans laquelle je danse, c'est une robe dorée, c'est une réinterprétation d'une robe qu'avait portée Gabrielle Chanel, qui est un bijou. Voilà. C'est magnifique, carrément. Elle refond d'or en plus. Cette broderie, on l'appelle la robe gold. Virginie a souhaité que l'on fasse une réinterprétation d'une broderie qui avait été faite en 1996, demandée par Karl, qui elle-même était une réinterprétation d'une robe du temps de Mademoiselle Chanel. En 1996, les deux fées brodeuses étaient déjà là. C'est une robe iconique, tout en dentelle d'or. Elle n'est brodée qu'à l'aiguille, avec un filet or. Pour cette robe-là, on va passer largement au-dessus des 10 000 paillettes brodées. Une à une. Ce ne sont que des petits miroirs qui sont posés, donc elle va être complètement dans l'histoire du reflet. Tout est dans la réflexion de la lumière. La lumière sur cette robe, c'est en mouvement tout le temps. Ça concourt à l'idée de cette liberté. Un bijou de grâce et en même temps une robe dans laquelle j'ai vraiment pu bouger, parce que la chorégraphie, c'est pas juste une chorégraphie jolie et une petite danse, non, c'est vraiment assez complexe. Il y a un mouvement qui est vraiment où je suis comme ça et j'avance. Je pense qu'on peut monter. My dear, would you do something for me? Yeah. And be my dancer? Ça, j'adore. Ouais. Ça fait des petits défauts. Ouais.